Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. On est aujourd'hui sur ta ferme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus depuis quand tu es installé, ce que tu as pu mettre en place? Alors, moi je suis installé depuis 2008, donc sur plusieurs sites, donc sur la commune donc en Bretagne toujours, donc Médréhac, ouais. Montauban de Bretagne et Guitté. Okay. Donc je suis associé avec mon frère, donc on a 240 hectares, 2 millions de litres de lait et 1300 places d'engraissement. On a fait l'achat d'un semoir Sky il y a déjà plusieurs années, en 2017. Donc c'était vraiment un easy drill 3 mètres. Mais avant, on était déjà chez Sulky parce qu'on avait un Optiline Pro. Donc okay. On avait déjà démarré un petit peu les démarches comme ça. On a toujours tout semé avec, donc que ce soit l'Optiline Pro, l'easy drill ou celui-là, on a toujours semé toutes nos cultures avec. Mais petit à petit, les cultures ont changé. Aujourd'hui, on fait un petit peu moins de céréales. On était sur du blé, orge, colza, maïs. Et du coup, là, depuis, on a réintégré beaucoup de prairies. Temporaire, du coup, ouais. Sur 4-5 ouais. ans okay. et qu'on laisse. Et on a fait beaucoup de métayes. Et donc, on a changé vraiment notre assolement pour le tourner plus vers l'atelier lait, en fait. Okay. Où on était beaucoup avant avec du maïs en silage. Mm-hmm. Et puis après, toutes les cultures de vente, on vendait tout, quoi. Aujourd'hui, on ne vend plus que 25 hectares de blé. Toute notre orge, on la stocke et nous sert à l'aliment des bovins. Okay. Et tout notre maïs, on le récupère en maïs épi. Ouais. Et tout ce qui est métaille, ben c'est pareil. Tout est récolté, les intercultures, quoi. Donc aujourd'hui, en interculture qui retourne au sol, on va avoir entre le blé et l'orge, on a une moutarde. J'avais essayé plusieurs mélanges, plusieurs couverts, mais en fait, je me rends compte que la moutarde est assez simple et elle couvre le sol assez vite. Donc entre un blé et une orge, je fais ça. Donc ça retourne au sol. Tu fais plus de colza? Plus de colza, plus non. De colza, non, ouais, non, okay. non. Donc ça a repris la place, en fait, l'herbe a pris la place du colza et puis on a diminué la surface de blé. Ouais, okay. Ouais. Bah après, le colza était vraiment intéressant, par contre, pour rentrer, je trouve, dans le semis direct, avec les plants de compagne qu'on met au début. J'avais fait plusieurs semis avec des trèfles blancs nains qui restaient en interculture, qu'on pouvait soit pâturer, soit faucher, et puis ressemer le blé dedans. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment ça une bonne culture. Bien. Ouais. Et peut-être que j'en referai un petit peu, mais bon, on s'est dit d'abord, aujourd'hui, c'est d'avoir ce qu'il faut pour nourrir les bovins avec le maximum d'autonomie, quoi. Donc okay. C'est là un petit peu la réflexion qu'on a eue. Ouais, t'es revenu plus sur de l'autonomie, l'autosuffisance au niveau de l'atelier. Et puis ça se prête bien, ça se prête bien avec le semoir, quoi. Les multitrémies, tout ça, on s'en sert énormément, en fait. Ok. Pratiquement pour toutes les cultures. Mais, tes métayes, ils sont toujours sur la zone d'hiver et tu les ensiles là, au printemps? On a deux métayes différents. Donc les métayes, il y en a une partie qui va arriver après l'orge. Ok. Donc avant, je faisais les métayes que j'implantais aussitôt la moisson. Mm-hmm. Mais j'ai fait ça 2-3 années. Et par moment, quand on est vraiment dans des moments où il fait sec, la germination n'est pas terrible. Et on a des soucis quand même de régras résistants. Donc, certains les appellent régras, d'autres festicoïdes. On ne sait pas quel nom leur donner. Mais je fais plutôt un faux semis maintenant. Okay. Et après, je décale ma date d'implantation plutôt en septembre. Et donc, ça facilite aussi, je ne fais plus de récolte octobre-novembre, parce qu'en même temps, j'ai implanté en août, j'ai récolté en novembre, mais on n'a pas toujours les bonnes conditions. Donc, les fourrages, des fois, étaient très humides. Donc, on dit, on arrête ça, on va plutôt décaler la date de semis. Et du coup, là, on se retrouve avec un fourrage qui est récolté en avril. Okay. Donc, ça, c'est entre une orge et un maïs. Okay. Et après, par contre, quand on passe entre deux maïs, donc ça va être un métaille différent. Lui, il va être implanté mi-octobre et récolté début mai. Début mai. Ouais. Okay. Donc ça permet aussi d'avoir deux mélanges différents. Et s'il y en a un qui marche un peu moins bien, l'autre peut compenser. Et donc là, comme cette année, on a
on avait 110 hectares ou 120 hectares de métaille à récolter. Okay. Ouais, donc c'est des gros chantiers parce qu'on implante aussi nos prairies avec des métailles. Donc on récolte notre maïs épi. Après, on ressème, donc notre métaille, ça va être du seigle, avoine, poivesse, peut-être un peu de trèfle. Et avec ça, on implante aussi notre prairie multi-espèces, donc avec différents régras, brome, dactyle, fétuc, et puis plein de trèfles différents. Okay. Donc c'est pour ça, les trémies sont toujours pleines. Ouais, tu utilises quasi les quatre à chaque fois, c'est ça? Là, ouais, on met des trèfles à l'avant, on met le gros métail dans la grosse trémie, et dans la trémie arrière, on met notre prairie, quoi. Okay. Donc là, ce qui fait que le sol, donc après on remet notre métaille, notre herbe, en mai on récolte notre métaille, et là on est début juin, on a fait notre deuxième coupe, donc là c'est l'herbe qu'on a récolté, quoi. Donc okay. on n'a pas de temps mort et toujours un sol couvert. Tu sèmes toutes tes graines à la même profondeur? Comment tu gères ça? Non, le métaille on va le semer lui à 2 cm, et okay. vraiment après à l'arrière on sème sur le sol la prairie, quoi. La prairie, et c'était okay, un ouais. petit peu des fois mon problème où je semais un peu trop fond, et ouais. pour les trèfles ça faut faire gaffe, et vraiment là ouais mettre sur le la surface. Dessus ouais, ouais. Okay. Il y a eu des métailles qui ont été implantées dans la parcelle ici, ouais. et d'autres de l'autre côté du bois là. Okay. Et ben ici c'est plus riche en azote, et ben on avait une cérale beaucoup plus développée, et là il y avait de la veste qui était présente et le trèfle mais moins, et l'autre qui est de l'autre côté qui était plus pauvre en azote. Ça a été l'inverse, là c'était des trèfles et des vesses. Ça permet de compenser la fertilité. Ouais. Et c'est là que c'est important, ouais. parce qu'on se dit des fois, oh, ta semence elle marche pas, un truc comme ça, mais d'une parcelle à l'autre, déjà ça réagit pas pareil, alors que c'était semé le même jour, dans les mêmes conditions. Avec le même semoir, tout pareil, et ça n'a pas le même rendu à la fin. Okay. Donc après, forcément, c'est un mélange de cultures, donc c'est le but aussi, et si on implante une culture et que cette culture ne correspond pas au sol, ça peut être gênant, sauf que là, une autre va prendre le relais et on bouche les trous, et c'est vrai que sur la propreté des sols, les métailles, c'est vraiment bien, et faciliter à travailler derrière. Okay. Mais bon, si on peut éviter de les travailler même par la suite, ce sera bien, mais ce sera une deuxième étape. Là, on est après un métail qui venait après une orge. C'était un mélange de seigle, donc plusieurs seigles, de la veste, du trèfle incarnat principalement. Okay. Ça, on l'a récolté début mai. Et puis après, c'est les lisiers, les fumiers à épandre. Donc ici, ça a été lisier de porc uniquement. Dessus, on a passé un déchaumage, un coup de cover crop, donc un coup de disque. On a repassé un coup de dent. Quelle profondeur à peu près tu travailles? Disque, on va être plutôt sur du 10-15, et là 20-25 pour la dent. Okay. Et ce qu'on a fait après, on passe un coup de rouleau. Okay. Parce qu'on a été piégé certaines années où ça peut sécher très vite. Après, okay. cette terre-là, je ne l'affine pas beaucoup non plus parce qu'on a des terrains assez battants. Ouais, on voit que c'est battant, ouais, parce que tu as dû avoir un peu de pluie. On a eu beaucoup d'eau, ouais. mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu intervenir rapidement. On n'avait pas de la terre de préparer avant, donc avec les pluies qu'on a eues là, au printemps, on a pu intervenir. Mais bon, les fenêtres météo étaient courtes. Mais donc là, celui-là, on l'a semé le 10 mai. Donc on a dû récolter les métailles 3-4 mai. Et puis après, on a pu semer rapidement, quoi. Oui, ok, donc tout s'est enchaîné en une ouais, semaine, donc, quoi. Là, on a une croûte de battance qui s'est faite, mais dès qu'on va aller chercher dessous... Après, il te reste quand même des résidus de surface. Voilà, on a toujours des résidus, et puis la terre n'est pas dure, quoi. Là, Oh non, c'est clair. On ne fatigue pas, et puis le frais, on l'a tout de suite. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Et là-dessus, après, on va récolter notre maïs, donc on va récolter que la rafle, l'épi, quoi. Et donc là, on aura le paillage qui sera là. Et après, on va ressemer le blé directement dessus. On va aller voir une parcelle après, où là, justement, on a ressemé le blé après un maïs. Ce qui peut être surprenant et ce qui peut faire peur au début, c'est l'implantation. Donc, c'est vrai que par rapport à un semoir classique, on va avoir bien nos graines de maïs sur le rang. Ouais, une fois que ça lève comme ça, on a des beaux rangs qui se décident. Donc, c'est bon, là, on est plus, ça fait plus trop peur. Et puis, ça va s'égaliser. Et tu as mis combien, ce que tu as dit que tu avais mis du lisier? Là, on est à 30 mètres cubes de lisier de porc engraissement, donc
Il est à 4,5 lui. Ouais, ok. Ouais, unité par mètre cube. Et Ok. puis après, j'ai juste mis un starter là en semoulette qui Ouais. fait aussi anti-topin là. Ok. Et c'est tout. Mais je ne mets pas de starter autrement. Et là, je l'ai fait vraiment cette année pour donner un petit coup de fouet. Mais j'ai vu des années où on gère uniquement avec Ouais. les déjections, fumier, Ok. lisier. Donc, Ouais, on a. peut-être avec l'humidité, etc. Tu Ouais. voulais être sûr que ça démarre, mais Bah une ouais, c'est autre fois, ça. Et il a pris puis très après, chaud. on a eu quelques soucis des fois de topin dans certaines parcelles, trucs Ok. comme ça. Donc, on dit, on va assurer le On coup, quoi. prévoit, ouais. Ok. Et là, on sème à 90 000 pieds, là. Ok. Peut-être à 95, même sur certains maïs, on est même descendu à 80 000. Mais c'est assez surprenant, c'est les épis après, quoi. Donc, parce que le maïs va vraiment prendre sa place. Là, on voit celui-là, il a beaucoup de place, Ouais. mais là, il y en a moins. Mais il compense vraiment, il va chercher la Là où il y a lumière. de la lumière, Ouais. ouais, Et ok. après, les poupées sont assez impressionnantes. J'ai recommencé un petit peu le cholage justement parce que j'avais arrêté là, le cholage. Je me disais, oh, on travaille que en surface, tout ça, on n'a pas Ouais. forcément. Et ça, je pense que c'est quelque chose Ouais, t'avais un peu à faire d'acidité, attention aussi. etc. Ouais. Ouais. Et on est quand même embêté par des régras résistants. Ben, ça peut être ça justement là. On est vraiment obligé de mettre des couverts très rapidement et puis de. Et de mettre les couverts, ça te permet de gérer Bah là, la ça, poussée ici, ou bah, par exemple, comment ça se dans passe? le bout du champ, ici, Ouais. c'était vraiment infesté, infesté. Ok. Et on a réussi à bien le contenir dans le métail. Et l'avantage du métail, c'est qu'on l'a fait germer, qu'on l'a fait pousser, et on l'a fauché et ensilé avant qu'il graine. Ok. Et pour les vaches, ça va être bon, il n'y a pas de souci, Mais les c'est pas régras, le elles aiment poison, quoi. bien, hein, ça change pas grand-chose, Et ok. donc ça a permis de le fatiguer un peu. Et après, bah, c'est de bien gérer le désherbage aussi, et puis que le maïs parte assez vite pour ne pas se faire concurrencer, quoi. Parce que si on sème le maïs trop vite et qu'il y a cette culture-là, c'est elle qui va gagner. Bah Mais elle oui. envahit et on a l'impression que c'est un gazon qu'on a semé, quoi. Ouais, et puis ça pourrait être un intérêt aussi, bah, comme tu disais, de semer directement dans ton métail, de gérer un Ben peu la oui. repousse du régras, au lieu On de a pu le travailler ça, ça faire peut aider. dans bah, toutes nos orges qui ont été semées sur la moutarde, là. Ouais. Donc là, c'était des parcelles qui étaient vraiment infestées. On a réussi à freiner un peu l'infestation, mais malgré tout, il en reste. Et Ouais. c'est vraiment le gros point noir, on va dire, mais qui n'est pas forcément que au semis direct, parce que beaucoup de collègues, même en TCS ou en labour, ont cette Oui, il y a herbe-là à énormément de embêter, quoi. personnes, oui, complètement. Mais bah, c'est vrai que si on retourne le sol, bah, ça va simplifier, parce que bah, là, on la remet en dessous, mais elle repousse quand même après, quoi. Tu disais que tu faisais certaines fois deux maïs d'affilée, faire un maïs, puis après tu refais un Oui. métail, puis un maïs. Tu vois une différence dans le deuxième maïs par rapport au régras après le deuxième maïs ou pas? Après, ça va être surtout sur le site près des vaches laitières. Ouais. Donc là, on a pas la même rotation qu'ici. Ici, on va être sur une rotation maïs. Enfin, là, maintenant, je fais deux maïs, Ok. blé, orge. Ouais. Et ça, j'avais vu ça justement en formation un petit peu à Blain, là, Ah qui oui. disait justement pour les désherbages, Ouais. au lieu de faire une culture de printemps, une culture d'hiver sans arrêt, plutôt pour bouleverser un petit peu, de mettre deux cultures De printemps. de printemps, deux cultures Ouais. d'hiver. Donc j'ai essayé de mettre ça en place. Et par contre, sur le site, donc à Montauban, là, ça va être plutôt maïs. Après, on va refaire un métail avec les prairies dedans. Et donc là, ça va durer 4-5 ans. Et après, ça revient, on refait un métail, Ouais. puis un maïs. Et donc là, on peut faire des fois 2-3 ans de De maïs. maïs, Et puis ok. après, ça retourne comme ça. Donc là, ça va être maïs prairie, quoi. Ok. Donc là, il n'y a pas du tout de céréales. Par Ouais. contre, sur le site ici, où on va faire des céréales, quoi. Ok. Est-ce que tu as vu une différence au niveau du salissement, des régras, etc., depuis que tu as mis en place des métails? Et ben, j'ai un peu changé le système ben, pour l'autonomie et aussi pour la propreté des sols. Donc, ben, remettre des prairies en place sur plusieurs années permet de gérer ce genre de mauvaises herbes là, qui nous embêtent. Et on l'épuise en fait. On l'a fait germer et puis en la fauchant sur 4-5 ans, après elle disparaît. Et là on refait un maïs et du coup c'est propre. Et donc ça m'a poussé à changer mon système. Et parce qu'après, quand on est vraiment sur céréales, maïs, ben c'est vrai qu'on a peu de matières actives qui peuvent le contrôler, quoi.
pourquoi on a changé de système aussi, ça s'est fait par une année très humide, donc il y a, je sais plus, 4-5 ans, où on avait fait les céréales, mais c'était tellement humide qu'on se dit on va être obligé de les refaire, choses comme ça. Puis on s'était dit, bon, bah, si on doit les refaire, pourquoi pas changer notre système? Et ça nous a poussé à dire, bon, bah, allez, hop, on remet les prairies en place, on remet les métailles, et on arrive à faire des bonnes rotations maintenant, quoi. On a vu des fois faire des régras d'Italie, choses comme ça, où le sol était beaucoup plus dur à travailler après. Là, le sol, il se travaille vraiment bien. C'est tout de suite friable et on voit que c'est pas asséché. Enfin, cette année, c'était pas asséché vu les quantités d'eau qu'on a eues, mais bon. Et là, on voit qu'on a toujours des résidus de métailles et ça, c'est pas gênant non plus, quoi. Maintenant, ça couvre ton sol, finalement. Bah oui, oui. C'est pas plus mal. Bon, même si là, cette année, le frais est bien là, donc... Bah oui, oui. Mais bon, on a vu des années, justement, ouais. où ben, moins on travaille le sol et plus on garde le frais. De toute façon, il n'y a pas de souci. Mais le fait de faire ça, de juste fissurer et de travailler en superficie, ben, c'est vrai qu'on a toujours le frais. Mais on ne le voit pas au début, ça. Mais par contre, quand on arrive août, ouais. là, que ça peine, ben, les maïs là peinent un peu moins. Dans le même trou, mais c'est bien à partir de là. En fait. Ouais, 30, ouais. Ouais, bah le 30. Le fissurateur, on est à 30 cm. Quoi. Ouais. Et au-delà, t'as une zone de compaction et après, ouais, ça va mieux là. Si tu n'avais pas la matière organique en surface, tu fais quelque chose de très plat avec l'eau, quoi. Ah bah oui, oui. Mais j'ai vu les premières années où, après un maïs grain, justement, bah, ouais. Je sais plus, bah, je dis pour simplifier, on a labouré, on s'est pris de l'eau aussitôt, et là, le sol, il était fermé, mais ils ont subi une parcelle à bon potentiel, et là, on est arrivé à faire 40 quintaux, quoi. Les blés cette année, ils ont eu un peu le grand chelem des maladies. Hein. Ouais, bah, malgré tout, enfin là ça recommence. Mais tu vois, semaine dernière, on voyait pas du tout de maladies sur la dernière feuille. Là, bah, ça commence à monter. Bah après, on avance aussi. Mais tu disais que tu avais repris 50 mm d'eau là. Bah oui, oui, ouais. Et en fait, on a un mélange de quatre variétés là. Ok, tu fais des mélanges de variétés. Ouais. Pour quelle raison ça... Ben pour les maladies, pour équilibrer aussi les rendements et tout ça, et c'est vrai que tu as une culture, voilà, on peut le voir là, tu as des épis qui vont... Ouais, tu as quelque chose fatiguer... qui va se compenser, quoi. Ouais, voilà, qui va fatiguer plus que d'autres. C'est clair. Et là, on l'a vraiment sur différents... Là, on a des épis, les plus hauts sont là, les plus bas sont là, quoi. Oui. Donc, tu vois, ça... C'est pas trop gênant, la récolte, non. Ça va. Ouais. Non, tu vois pas. Mais les premières années, ça fait bizarre. Après, il y a des beaux épis. Hein. Ouais, c'est joli. Et donc là, c'est semis après... Après maïs épi. Ok. Et donc là, il n'y a eu aucun travail du sol. On voit le. Mais on voit bien les résidus et le maïs qui est toujours implanté dans le sol, effectivement. Tu choisis comment tes variétés du coup de blé? Bah, là, on part sur des variétés assez précoces. Avant, je prenais. Là, c'est la première année où je fais des mélanges sans barbe. Avant, c'est toujours des blés barbus. Puis après, là, au début, on se faisait un peu nos mélanges. Seul maintenant il y a des mélanges tout faits. Après il faut chercher de toute façon un maximum de biodiversité, que ce soit par les variétés, que ce soit les métailles, par les cultures différentes, oui. Donc je pense que c'est toujours un plus, et puis ça simplifie aussi, quoi. Le dire dans telle parcelle je vais mettre telle variété, là dans l'autre on fait un mélange, et puis on n'est pas sans arrêt en train de faire les réglages, oui, de se voir aussi. Donc c'est la simplicité, et puis c'est ramener de la diversité dans une même culture parcelle, à plusieurs variétés, quoi. Okay. Donc, après là, ouais, on est directement sur maïs
sur les fans de maïs, mais on l'a fait aussi directement bah, après à colza qu'on en parlait tout à l'heure, Ouais. où là on a les trèfles qui sont en dessous. C'est sympa aussi de voir ça parce que tu as les trèfles qui vont pratiquement jusqu'au bout et ils sont détruits pratiquement qu'au mois de mai et généralement même ils repartent après. Ok. C'est des trucs vraiment sympas, Et tu le mais. détruisais comment ton trèfle dans le blé du coup, Bah, c'était chimiquement? un ouais C'était. Ouais. chimiquement mais c'est vraiment à faible dose et là on pouvait traiter justement au semis, j'étais à 1 litre de glyphosate et ça tuait pas le trèfle quoi, Ouais. donc ça éliminait une bonne partie des graminées et Ouais. le trèfle reprenait la place, Ok. et donc là c'est l'avantage un petit peu du trèfle dans les cultures là quoi. Après beaucoup le font en luzerne aussi, mais moi je l'ai jamais fait en luzerne. Premier passage, cette année j'ai mis un engrais foliaire, mais qui est un biostimulant là, Ok. qui équivaut à 30 unités, on va dire quoi. Et après j'ai fait un passage de lisier donc au Vredo. Donc là c'est l'automoteur là. Ouais. Et ils étaient assez étonnés parce que justement on parle de portance du sol, mais dans certains champs, même avec un automoteur, ils n'arrivaient pas à aller tellement que c'était Ouais. humide. Et là ils passaient, ils disent mais c'est impressionnant, ils disent, on ne voit pas nos traces, ça marche bien. Et après un passage donc ammonitrate quoi. Ok, tu fais un passage d'ammonitrate. Ben, un voire deux, ça Ok. dépend. Tout dépend s'il y a eu du lisier ou pas, quoi. C'était quoi Ouais. l'objectif des biostimulants du coup? Le but de ça, c'est vraiment de limiter en fait nos apports d'ammonitrate, quoi. Et Ouais, puis ok. de si on peut valoriser et d'apporter d'autres éléments en fait que uniquement l'azote, quoi. Donc c'était chercher ça. Après, ben, on va voir ce que ça donne. Toutes tes pailles, tu les exportes Tout sert pour l'élevage de toute ouais, pour façon, donc soit l'élevage, pour ouais. l'alimentation des bovins, soit Ok. pour le paillage. Paille de blé, paille d'orge, du Paille de coup, blé, c'est paille ça? d'orge, ouais. Ouais, Ouais. ok. Et après, bah, tout revient en fumier après quoi. Ok. On a la chance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir de l'élevage et d'avoir du lien. Des fois c'est contraignant, mais des fois Bah ouais, mais c'est l'avantage, ouais. pour que ce soit les matières organiques ou quoi que ce soit, c'est quand même hyper important. Puis t'as un apport de fertilisant complet pour le coup. Ah bah Donc oui. ça. L'orge, elle a été implantée en direct dans la moutarde. Si on regarde au pied, bah, ça nous craque sous les pieds. Là, Ouais. on entend les. Donc ça fait vraiment un bon paillage. Et je la roule même pas. Avant, j'avais avec le 3 mètres, j'avais un rouleau faca devant. Ouais. Et donc bah, là, c'est vrai que ça faisait plus propre. Propre, ouais. Mais là, je m'embête même pas à la rouler. Bah, si, là, on voit. Là, on a les tiges de moutarde. Ouais, qui se dégrade Certaines restent doucement. debout, en fait, mais les autres sont couchées. Mais cette année, ça a été implanté plus tard que d'habitude. Et c'est vrai qu'il pleuvait tellement, j'ai vraiment attendu. Elle a dû être faite en mi-novembre, elle. Ouais, t'as eu une Mi-novembre, parce fenêtre. qu'il y avait juste une fenêtre météo là Ouais. de 2 jours là, et on est allé. Et ce qui était impressionnant, c'est de voir bah, le sol Ouais. était bah, resséché rapidement parce que bah, il y Réessuyé, avait ouais. la culture dessus, et on roulait, et ça marchait bien. Ouais, c'est Mais c'est vrai impressionnant, qu'en même ouais. temps, on dit, est-ce qu'on va réussir à la semer, quoi? Mais si on Ouais, allait plus ça. vite, on n'aurait pas pu parce que c'était trop humide de toute façon. La présence de couvert a permis presque de semer à cette Ah fenêtre-là. Si tu l'avais pas eu, bah, t'aurais peut-être pas pu. bah si ça avait été travaillé, on aurait eu beaucoup de mal à la Ouais. travailler. Bah sauf de relabourer quoi. Ouais. Mais sans labour, ça aurait été difficile, ouais. Et là, ça fait depuis 2017 que les orges sont implantées comme ça, elles. T'as apporté quelque chose sur l'orge ou... Comme je l'amène comme un blé. Comme un blé. Ouais. Ok. C'est pareil, on voit même plus les passages au lisier. Tout s'est Ben oui. homogénéisé. Là. Ouais, Là, on voit ça. quelques brins de moutarde Ouais, qui sortent. au début, on les voyait pas, mais là, en fait, on les voit encore. Ouais. Ils vont pas être trop gênants. Non. Et Ah, même au c'est sol, propre. ce qui était au sol, par contre, on le voit plus du tout, quoi. C'est Non, bah complètement ça s'est bien dégradé. dégradé, Ouais. Là, ouais. ça s'est resté debout. Bah ça t'a pas fait. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça se dégrade pas trop rapidement. Si ça se dégrade trop rapidement, c'est, tu sais, le pic de fertilité, le problème. Ah oui, qui consommerait De l'azote de pour l'azote pour ça. dégrader, quoi. Ouais. Il y a plein de vers de terre qui travaillent dessous, là. C'est intéressant. Il y a des turricules partout. Ah bah là, ouais.
installé quand la prairie? Ça a été semé mi-septembre dans le métail. Et là, sur ça, on revoit un, ouais, peu, on de, voit un peu le métail, de qui, métail ressort, qui reste. Et là, c'était un métail différent que dans le reste. Là, il y avait de l'avoine dans celui-là, dans les autres, ouais, il y avait vois, moins d'avoine. Et bah non, c'est super quand on voit ça, quoi. Là, ça va être à récolter d'ici 10 jours, quoi. Mais le métail, il était magnifique, tu vois, la veste, le trèfle. Ouais. Ouais. Et ce qu'on avait peur un petit peu, parce que là, donc ici, c'est des moutons qui vont venir pâturer, c'était à faire attention à la veste. Veste, ouais. La prochaine coupe sera faite en enrubanage, parce que c'est pas très bon à consommer pour les moutons. Pour les moutons, ouais. En pâturage. Donc là, ça va être fauché, endainé, et puis mis en enrubanage, et là, il n'y aura pas de souci. Et okay. Puis après, bah là, ce sera du pâturage qui sera fait, quoi. Mais ce qui fait que là, j'ai vu certaines personnes qui faisaient du métail et après qui retravaillaient pour refaire la prairie. Et ce que je leur disais, mais mélangez tout ensemble, hein, au moins. C'est riche, quoi. Bah ouais, puis bah, elle est super bien implantée, quoi. Là, dès que le soleil arrive, les trèfles, ça y est, ils prennent la lumière et c'est parti, quoi. C'est vrai qu'elle est, elle est magnifique. Ouais. Et ça, c'est des terrains très séchants, c'est. Même. Bon, ça, il y a beaucoup de légumineuses, mais là, ça va bien les valoriser sans souci, quoi. Ouais, on voit bien, ouais, ouais. On voit bien le trèfle. Et là, on me disait ça, les trèfles, t'as du trèfle blanc géant, là. Mm-mm. Les grosses feuilles, là, t'as du trèfle de Perse, je crois. Oui, ouais. Trèfle de Perse, trèfle blanc géant, t'as du trèfle blanc intermédiaire, du nain, t'as les trois, là. C'est joli parce que ça fait des strates différentes. Ah bah, ouais, quoi, ouais, et du coup, t'as bien la valorisation de même tout. Même au pâturage, tout ça, après, ce sera bien. Ouais, donc c'est ça que le nutritionniste disait de faire attention, c'est. Il y aura forcément, après la récolte, de la veste à revenir. Et puis ça te fait qu'un passage, quoi. Pour bah, ta oui, prairie, oui. Tu sèmes les deux en même temps, du coup, finalement. Ouais. Métail prairie. Donc et puis je trouve que c'est hyper valorisant. Je trouve, en fait, ouais. tu vas nourrir tes animaux avec ça et c'est super beau. Tu dis, t'as pas mis un fongi, pas mis un traitement, pas mis un engrais. Et puis tu récoltes quelque chose de noble, quoi. Ouais. Ouais, et puis après, c'est pas fini, quoi. T'as fauché, t'as récolté, hop, t'as la prairie ouais, qui vient ouais. derrière. On rapprend à travailler ça, une culture, mais qu'on prenait pas comme une culture ouais. avant, mais on apprend à la travailler. Et puis, je trouve que c'est plus simple au niveau des intrants aussi par la suite, parce qu'on peut valoriser toutes nos déjections plus facilement sur ce genre de culture. Parce qu'après, les maladies, les machins, là, on n'en parle pas, quoi. On est oui. pas à se dire, est-ce qu'il va y avoir de la rouille ou de la septoriose ou... Bah, sur la prairie, oui, ouais. effectivement. Donc, c'est vrai que c'est. En pâturage tournant dynamique. Là, c'est ma femme qui est sur la ouais. partie ici, ouais, c'est pâturage tournant dynamique. Ouais. Ok. C'est impressionnant le travail du trèfle aussi, le système racinaire, certains trèfles qui sont faits en couvert justement pour redonner au sol aussi, mais ça fait un super boulot. Comme c'est légumineuse, ça enrichit les sols, ça enrichit la ration et ça enrichit les sols. Pour récolter le métail, soit tu te bases au tout début de floraison poids et veste, ou. Pour bien, il faut pas que la céréale soit que l'épi soit sorti. Donc okay. avant épiaison. Ouais. Donc c'est avec le seigle, on voit que c'est souvent faudrait faire avant épiaison du seigle. C'est okay. lui qui revient en premier, qui est un peu plus précoce. Ça marche. Ouais, c'est là que c'est le plus riche. Quoi. Ok. Mais ça, le stade passe très vite en fait. En une semaine, 15 jours, hop, ça y est, ça épi. Il faut prendre une moyenne aussi. Ouais. Puis la fenêtre météo, je suppose aussi. Bah oui. Cette année, le seigle est commencé à épier, l'épi sortait, mais par contre le pois et la veste commençaient tout juste à fleurir, donc c'est pas une science exacte, ouais. Tu veux toujours être pile poil, que tout soit au bon stade, c'est pas toujours possible. Il faut s'en rapprocher, mais comme tu dis, c'est la météo qui commande. Ouais, après oui, si tu veux pas rentrer dans le champ, bon pas. Ouais. La question c'est...